Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de nos routes aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a des travaux en ce moment, mais ce n'est pas pour ça qu'on a invité Sully Pandolf aujourd'hui. Vous allez comprendre, on va parler d'un passage qui fait beaucoup parler, celui de 90 à 80 km/h sur certaines routes de Guadeloupe. Bonjour Sully Pandolf. Bonjour Monsieur Langlois. Merci d'être avec nous. Alors, ça va être un énorme chambardement pour nous ou pas ? On peut le dire, mais ouais. Ce ne sera pas visible. Je vais simplement déjà rappeler le contexte, puisque actuellement, en agglomération, la vitesse maximale est de 50 km/h. Hors agglomération, on a deux types de cas. Soit on est sur autoroute ou chaussée à voies séparées. Donc là, la vitesse maximale est de 110 km/h. Donc là, on a une 50 km en gros qui sont concernés. Et la deuxième partie, ce sont les routes bidirectionnelles. Donc la route bidirectionnelle, c'est où on a 95% de notre réseau qui est concerné. Mais dans 95% de notre réseau qui sera donc actuellement qui est à 90 km/h et qui, à compter du 1er juillet, sera à 80 km/h. Donc là, comment ça va se passer concrètement? Ça concerne combien de pourcents de nos routes? On a une idée? Tout à fait. Ça représente, je dirais, 45% de nos routes actuellement. Entre 45 et 46% de nos routes actuellement. Puisqu'on a déjà une partie qui traverse les communes, donc qui sont automatiquement à 50 km/h, puisqu'on est en traversée d'agglomération, ou des routes qui sont, compte tenu de leur contexte, du contexte où ils sont, où je pense à la route de la traversée, qui est actuellement limitée à 70 km/h depuis Barboto jusqu'au carrefour Mao. Donc ces routes-là ne sont pas impactées. Toutes les routes où il y a déjà une réduction de vitesse, où la signalisation est en place, ces routes-là ne sont pas impactées. Donc ce sont les autres routes qui seront impactées. Et aussi. Et en fait, ce sont des routes où on n'est pas obligé de mettre d'ailleurs un panneau 90 km/h. Tout à fait. À chaque automobiliste de savoir, de connaître le code de la route. Tout à fait. Actuellement, je dirais que notre référence, c'est 90 km/h. À compter du 1er juillet, il faut que notre référence devienne 80 km/h. Parce que ce n'est pas parce qu'on a la moitié du réseau qui est impacté qu'on verra des panneaux de 80 km/h partout. Ce n'est pas le cas. Par exemple, je vous donnerai deux exemples. À la sortie de Bémao, après le pont en direction du Lamantin, donc dans la descente, là, on aura un panneau 80 km/h puisqu'on passe d'une deux fois deux voies vers une chaussée bidirectionnelle. Donc, dans le passé, c'était du 90 km/h, donc on était dans la continuité. Demain, on passera de 90 à 80 km à la sortie du pont. Ce sera pareil au niveau de Viard, RN1 en direction de Basse-Terre, puisque là, une fois qu'on a laissé le carrefour de Montebello, on continue sur 200-300 mètres en route à chaussée séparée, mais une fois qu'on arrive à la convergence, là, on arrive sur une bidirectionnelle où, là aussi, il y aura un panneau de 80 km/h. Alors, on va rassurer quand même à nos téléspectateurs. Comment ça se passe au niveau de la rocade? Elle est limitée à 90 km/h. On le sait, là, elle n'est pas concernée. On reste à 90 km/h. On reste à 90 km/h sur la rocade. Donc, la rocade, on a aussi trois portions. On appelle communément la rocade. Oui, là, tout à fait, la rocade. Donc, la traversée depuis Montebello jusqu'à Poussette. Là, on reste sur les mêmes limitations qu'on a habituellement. Donc, justement, de Montebello. Parce qu'il y a un terre-plein central. Parce qu'il y a un terre-plein central, tout à fait. On a une portion qui est à 110 km/h entre Montebello, entre Colin et Arnouville, qui est à 110 km/h. Donc ça ne change pas. Pareil, la route nationale 11, donc route de l'Alliance qui mène à l'aéroport, là aussi c'est une portion à 110 km/h, aucun changement là-dessus. Et aussi entre Perrin-Mornalo, qui aussi reste à 110 km/h. Donc pour là, en fait, il y a très peu de changements au final. Au final, sur la traversée de l'agglo, il y a très peu de changements. D'accord. Alors on imagine quand même qu'il va falloir installer des panneaux. On l'a entendu ici ou là, par exemple dans la Creuse, il y a des élus qui ne veulent pas remplacer les panneaux. Oui, on a entendu ça. Non, nous, on serait normalement concerné par une quarantaine de panneaux au maximum. C'est pas grand-chose, ça. C'est pas grand-chose, tout à fait, c'est pas grand-chose. Donc là où il y aura une confusion, telle que je vous disais tout à l'heure, quand on descend Bémao ou bien quand on va vers Basse-Terre, là on mettra des panneaux. Et aussi au niveau des radars, puisqu'on a les radars qui sont à 90 km,
90 km/h qui passeront à 80 km/h. Donc là aussi, au niveau des radars, on sera obligé de changer les panneaux. Donc ce sera le cas notamment au niveau de ce qu'on appelle la route 4 de Saint-François. Donc c'est la route départementale 118 en allant vers la pointe des Châteaux. Mm-hmm. Là, on a un radar qui est à 90 km/h. Donc là, il sera abaissé. Il sera abaissé à 80 km/h, mm-hmm. tout à fait. Ce sera aussi le cas à Bémao en direction du Lamantin. Là aussi, on a un radar qui est à 90 km/h. Là aussi, il sera abaissé à 80 km/h et les panneaux vont être changés. Il y en a combien en tout des radars qui sont concernés? Vous avez un chiffre? 9 radars. 9 radars, oui, tout à fait. Donc là, il va falloir que les gens se réhabituent. Est-ce que ça sera fait opérationnel le 1er juillet? Ce sera opérationnel le 1er juillet. Donc là, les panneaux, on commencera à les poser, ce qu'on peut poser entre demain et après-demain, entre jeudi donc, et vendredi. Donc, il ne faut pas que les gens s'étonnent si vous voyez changer les panneaux. Si nous voyons changer les panneaux, ces panneaux-là seront masqués jusqu'à dimanche matin. D'accord. Donc dimanche matin, j'ai l'équipe d'astreinte qui ira sur le terrain pour pouvoir, à ce moment-là, masquer les 90 qu'on pourrait pas enlever et mettre en circulation les 80. Ouais. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ces 80 km/h. Mais on le sait, hein, les grandes vacances approchent. Oui. Et qui dit grandes vacances dit travaux. Non, pas de. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Tout de même. Vrai. Oui, c'est vrai que la période est propice. Il faut bien trouver des moments. Il faut bien trouver, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est plus, surtout en agglo-pointoise, c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler pendant ces périodes-là où on a moins de trafic, puisque les travaux qu'on fait, tels que l'amélioration qu'on a portée sur l'échangeur de la Jaille, c'est ça. Donc, c'est pour fluidifier le trafic. Et donc, alors, oui, justement, sur l'échangeur de la Jaille, pour ceux qui connaissent, ouais. Ça permet d'avoir une voie qui permet de s'échapper directement vers le rond-point de la prison. Vers le rond-point de la prison, tout à fait. Donc ça, c'est une voie nouvelle qui a été créée. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un bypass qui nous permet de, quand on vient de la Nationale 1 mmh. ou de l'intérieur de la Jaille, de prendre directement cette bretelle-là sans passer par le rond-point. Donc là, donc c'est dans quel but? Toujours pour éviter d'envoyer du monde sur le giratoire. Et de même, on a créé aussi, quand on vient de la voie verte pour aller vers Basse-Terre, on a créé tout de suite une bretelle à droite qui nous permet d'aller ouais. vers Basse-Terre. Donc tout ça est aussi à l'entrée quand on quitte la Nationale 1 pour aller vers ce rond-point, on a aussi modifié le tracé de façon à créer plus de place de stockage pour ne pas créer de remontée de fil en arrière. Donc tout ça, c'est en vue de fluidifier le trafic, donc de créer des stockages à l'intérieur. Pareil, on a dédié une voie pour aller vers la zone artisanale et une voie pour aller vers le RSMA. Donc tout ça, c'est pour créer des zones de stockage de façon à libérer l'espace du giratoire et permettre aux véhicules de circuler. Et puis il y a eu tous ces travaux hein, qui ont été réalisés ces dernières semaines, des travaux de grattage, c'est ça, et on oui, a amélioré le revêtement de la route. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'il y avait des zones qui méritaient d'être refaites. Donc là, on a commencé, on est sur du côté d'Arnouville. Donc là, on est en train de raboter et par la suite, donc le soir, hein, puisque là, compte tenu du trafic, c'est des travaux de nuit, ouais. C'est des travaux de nuit, compte tenu du trafic très élevé dans ce secteur-là, donc là, ces travaux-là vont être réalisés de nuit. Ouais. Donc la traversée, plus de problème, hein. On sait qu'il y a eu pas mal avec toutes les intempéries oui. Ces derniers mois, il y a eu oui. beaucoup de travaux qui ont été effectués. Effectués, oui. Tout va bien là? Oui, tout va bien. À l'orée de la saison cyclonique. À l'orée de la saison cyclonique, donc, de toute façon, donc on se prépare, on continue, puisque, je ne sais pas, vous devez voir sur les routes, on a pas mal de chantiers d'élagage, puisque mm-hmm. c'est une des priorités durant cette période-là, hein. Avant la période cyclonique, c'est élagage, donc élaguer tout ce qu'on peut élaguer pour éviter que les chaussées soient encombrées, soient machin. Et deuxièmement aussi, du curage de chaussées, du nettoyage des traversées d'eau, mm-hmm. puisqu'on a deux problèmes généralement, c'est le vent et l'écoulement des eaux. Un mot de trafic ERA, ça fonctionne bien, ça va être développé encore dans le futur? Trafic ERA, justement, on a posé des panneaux, on a des panneaux, puisque là, on avait déjà une première phase qui était concentrée essentiellement sur l'agglo. Donc là, on a une deuxième phase qui est en cours, donc vous avez dû voir d'autres panneaux, à un certain moment, il y a même eu une confusion avec les radars tourelles. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir. Ça c'est notre punition, les ça, c'est notre mission, ça, c'est un autre sujet. Donc, ce qui n'a rien à voir avec les radars tourelles. Donc, c'est la deuxième tranche de trafic ERA qui est en cours, qui sera opérationnelle dans le second semestre 2018. Et là, on va apporter l'information
au plus loin pour l'usager. Donc là, on aura des panneaux à message variable, par exemple sur Capesterre, donc qui donnera des informations, sur Sainte-Rose, sur Sainte-Anne, donc qui donneront. Donc l'usager aura des informations ouais. beaucoup plus en amont. Il a été critiqué, ce trafic ERA au début. Vous pensez que ça y est, c'est bien rentré dans les mœurs ? Je ne sais pas si c'est bien rentré dans les mœurs, mais vous savez, donc c'est, vous savez, tout ce qui est nouveau est critiquable. Mmh. Et après, bon, c'est à nous de montrer l'utilité. Bon, il faut se le dire aussi. Quand on a une panne, comme on a eu des pannes l'année en 2017, notre site était visité. Quand il y a un problème sur le circuit, on a beaucoup de visites, on nous appelle, on a beaucoup d'appels par rapport à ça. Et si on peut répondre aux appels, c'est grâce à Trafic ERA, grâce à l'information fiable qu'on a de Trafic ERA. Parce que les informations qu'on transmet sur le site Trafic ERA, ce sont des informations qui ont été vérifiées sur le terrain et donc on apporte une information fiable aux automobilistes. Je vous fais une trois questions en un. Quand est-ce que je pourrais aller très vite à Sainte-Rose, à Mornalo et à Saint-François ? Quand est-ce que vous pouvez aller très vite ? Bon, oui, bon, je commencerai par le plus facile, je dirais celui de Saint-François. Donc vous avez dû voir sur Périnette, au niveau de Périnette, on a commencé des travaux. Donc là, on est en train de faire un giratoire. Il y aura un nouveau giratoire à Périnette, ouais. un giratoire à Grande-Ravine et un troisième à Poussette. Donc ça, c'est dans le but de créer une voie réversible entre Poussette. En fonction du trafic. En fonction du trafic, tout à fait. On mettra deux voies à disposition. Donc c'est une façon d'utiliser l'espace disponible en optimisant ce tracé-là. Donc ça, c'est pour le court terme. Ça, c'est pour le court terme. Bon, je dis ça, donc 2020. Bon, après, donc, effectivement, ça, c'est un chantier qui a été entrepris par la région, donc que la région essaie de mener de tambour battant. Mais bon, là aussi, on n'est pas sous les mêmes chantiers, on n'est pas sous le même niveau de travaux. Ouais. Bon, et concernant Mornalo ? Bon, concernant Mornalo, là aussi, la région a des études assez avancées sur cet itinéraire-là. Et bon, j'espère que d'ici 2021, on aura déjà un prémisse de solution. Je dis prémisse. Écoutez, j'espère qu'on se reverra avant 2021, en tout cas. Merci à vous d'être venu. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour.